Alors, Yoka. Nous voulons maintenant élever le Dieu qui agit au milieu de son peuple. Amen, hein? Nous voulons élever le Dieu lorsqu'il parle, la chose s'accomplit et se réalise. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever. Et ce soir, nous l'appelons Jéhovah Jireh. Amen. Hein? Soka lobi et koki samakata. Chante avec moi. Jéhovah Jireh, mina kuabudu.
Jehovah Jireh, mina kuwa butu. Wasema mambo na kuitenda. Wasema mambo na kuitenda. Tangia mwanzo wajua mwisho. Tangia mwanzo wajua mwisho. Ukiinua nani awezaye kupinga? Ukibariki nani awezaye kupinga? Yolokotio pesitina Katina fulu yolokotio pesitina Sokio pamboli nanyako boya e Sokio pamboli nanyango ya kuboya Sokio tomboli nanyako boya e Sokio tomboli nanyango ya kuboya Yahweh, parce que tu es bon, je chante parce que tu es bon, je danse parce que tu es bon, pour ma vie Jésus tu es bon, tu es bon, parce que tu es bon, parce que tu es bon, parce que tu es bon. Oh Yahweh, tu es bon, Yahweh, tu es bon. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut mettre nos dômes ensemble? Tenez-vous debout, nous poussons les cris de joie. Je n'entends pas les bikunduri là. Dis, salut maintenant, celui qui est à tes côtés, dis-lui, oh Dieu de chez nous. Tourne encore chez un autre voisin, dis-lui, oh Dieu de chez nous. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Mettez-vous s'il vous plaît. Bujimaï, écoutez. Cette convention n'est pas la convention du centre évangélique Hébron. Ça, c'est la convention de toute la ville de Mbujimaï.
Dis à ton voisin, c'est la convention pour chez nous ici, c'est pour chez nous. Alors, je vais vous demander, s'il vous plaît, cessons un peu la culture pendant que les activités ne sont pas encore terminées. Tu prends ta Bible et tu commences à partir. Qui n'a jamais resté dans une fête jusqu'à 20h? Et puis, vous voulez aller où? Il y a des gens qui ont quitté Lubumbashi. Nous avons des délégations de Lusambo. Nous avons des délégations de Kinshasa. Ils sont dans cette salle ici. Ils viennent de très loin. Des milliers de kilomètres. Mais toi, là, tu es seulement quelque part ici. Et tu vas te lever pour rentrer chez toi. Dis à ton voisin. Dis encore à ton voisin. Cette fois-ci, reste paix dans la fête. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les mois? Alors, avant que nous puissions lâcher l'orateur de ce soir, nous voulons d'abord vous présenter toutes les délégations qui sont arrivées aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Pourquoi vous êtes motivé comme ça? Hein? Pourquoi vous êtes motivé comme ça? Papa, je sens comme si l'atmosphère a changé de soi comme ça. Il y a un esprit d'ambiance ici. Amen, amen. Amen. Voilà, d'abord nous voulons recevoir la délégation. Voici l'homme. Alors, dans cette délégation, nous allons commencer par les plus petits jusqu'au plus grand. Nous avons d'abord notre invité spécial, Billy Bilomba. Billy Bilomba. Waouh! Est-ce qu'on peut recevoir Billy très fort? Il y a des gens qui aiment Billy. Non. Mujimai, est-ce que vous aimez Billy? Il n'est pas venu seul, il est venu avec toute une équipe. Est-ce qu'ils sont quelque part? Si l'équipe est là, elle peut aussi se tenir debout. Nous voulons les recevoir. Voilà. Ils sont à 4 à 5 personnes. Que Dieu vous bénisse. Billy, directement commence à prendre position déjà de ce côté ici. Avec son équipe, commence déjà à prendre possession. Voilà, ils sont là. On peut les acclamer très fort. Nous voulons recevoir le CG, le secrétaire général. Tenez-vous debout, papa. Est-ce qu'on peut le recevoir avec acclamation? Ça, c'est le secrétaire général de la communauté de Voici l'homme. Nous avons aussi le chargé de mission, le fait Bendy. Pendant qu'il se tient debout, nous le recevons avec acclamation. Nous avons vu la sœur chargée de la presse. Elle est quelque part. Waouh! Est-ce qu'on peut la recevoir avec acclamation? Gloire à Dieu! Et ici, nous avons des hommes de Dieu qui sont venus nombreux, que nous ne savons pas citer par les noms. Mais pour honorer quelques noms, nous avons notre ami d'alliance, le révérend pasteur Ezekiel Mulumba. Il est venu nous honorer ce soir. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort? Voilà, je vais demander à tous les hommes de Dieu. Hey, pasteur, depuis quand vous êtes ici? Pasteur Billy, vous êtes là? Ça m'étonne vraiment. Le pasteur Billy vient de Lubumbashi. Et le voilà dans la salle. Lui, il est de l'église sec Lubumbashi. Est-ce qu'on peut le recevoir avec acclamation? Pasteur Robert, pasteur Naomi, mettez-vous debout. Général. Est-ce que tu peux venir un peu ici, s'il vous plaît, général? Général, est-ce qu'on peut recevoir général Muyombo en poussant les cris de joie?
Ça, c'est notre équipe, nous devons les honorer. Alors tous les hommes de Dieu qui sont ici, Papa Hilaire, veuillez vous tenir debout s'il vous plaît. Tous les hommes de Dieu, veuillez vous tenir debout partout où vous êtes. Merci beaucoup. Waouh, waouh. Maman, que Dieu vous bénisse beaucoup. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour les hommes de Dieu? J'aimerais entendre les bruits. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vous tous. Alors là, je vais laisser Billy chanter jusqu'à un cantique et puis nous allons le couper. L'orateur va passer. C'est pourquoi avant Billy, l'homme est déjà au milieu de nous. Notre deuxième orateur, c'est lui que vous aimez bien. Il m'a dit un mot qui a comblé tout mon cœur. Lui m'a dit que, pasteur, je ne suis pas venu t'honorer, mais je suis venu remplir un devoir sacré de la famille. Nous sommes déjà une famille, nous devons nous soutenir mutuellement. Et je suis venu pour t'épauler, pour te soutenir. Il s'agit du révérend pasteur. Yes. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Be trouble. Okay. Be trouble. Jimono nanga bikole jilolo eji. Vraiment, jilolo jalelo amelo kulisekalo ebani. Kunganji kibo kokujila nzambi to. Kakuka ndikito. Yes. Nazoli nga choema nanu zemboye. Tango tozo yemba. Tokoti lisusu. Omati lisusu na atmosphère. Jezi. Alleluia. Na be lema na yo. Na be lema na yo. Na be lema na yo. Zambe na yo. Na be lema na yo. Na be lema na yo. Na be Zambe nanga na lingi toye mana belema na belema matisa mongo mana yo na belema oh na belema imba bikola oh zambe na bomo. Jésus. Maboko.
Jésus. Mama ta babo ti le loyo. Babu kimbe to maternité. Bate la kimia mama nangai. Hello gezalie. Achama ke ipoto. Papa sa de bakangina nuche. Bate la kimia ye nangai. Hello gezalie. Atama sobi mapango. Basili si bate renyo sote. Bate la kimia ye nangai. Hello gezalie. Na ye mi motema o. Motema. Motema nangai. Batela kimia, elo gezalie. Yemi moteme, motema, motema nangaye. Yemi motema nangaye. Batela kimia, elo gezalie. Na kolonga, na ina kolonga, na ina kolonga. Na kolonga, na kombo na Yesu, tombola boye. Na kolonga, na ina kolonga. Na kolonga, na kombo na Yesu, na ina kolonga. Na kolonga. Kaina koloka, na koloka, na kombo na Yesu. Mama ya koloka, na koloka, kaina koloka, na koloka, na koloka, na kombo na Yesu. Goliath akokweya, akokweya, Goliath akokweya. Yahweh, akokweya, na kombo na Yesu. Goliath akokweya, akokweya, Goliath akokweya. Yahweh, akokweya. Na kombo na Yesu. Alleluia. 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 Alléluia, 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 tout bicha, alléluia, tout bicha. Hallelujah.
sikisa sikisa Amen Goliath akoye Amen Goliath akoye Yawe Goliath akoye Amen Yelele Alleluia Eyi Benina Samwe Amen Benina Samwe Yawe Benina Samwe Amen Yelele Alleluia Tu imbala sawa mule Amen Lesa mule Yawe Lesa mule Amen Yelele Alleluia Oh voici l'homme Amen voici l'homme Yahweh, voici l'homme, amen. Alléluia. Oh, il s'appelle Jésus. Amen, il s'appelle Jésus. Yahweh, Jésus, amen. Alléluia. Yesu associé wa Dieu. Amen, associé wa Dieu. Associé wa Dieu. Associé. Alléluia. Yesu avocat wa Dieu. Amen, avocat wa Dieu. Yahweh, avocat wa Dieu. Amen. Alléluia. Miso to beti ma boko. Amen, to beti ma boko. Beti ma boko, Amen. Amen. Amen.
Amen. Alléluia. Amen. Merci. J'ai dit merci au bishop Robin ainsi qu'à maman pour le renouvellement de la confiance. Merci à toute l'équipe. Vous savez, les chefs subissent des fois les influences de l'entourage. Si l'entourage n'est pas pour toi, quel que soit l'amour que le chef a pour vous, vous pouvez tomber. C'est pourquoi je dis aussi merci à l'équipe qui travaille avec le bishop, ainsi qu'à toute l'église. Et également, je dis merci et je salue la présence de tous les hommes de Dieu qui sont là. Amen. Amen. Vous savez, vous pouvez prêcher quand vous êtes seul dans votre église, assisté seulement par les fidèles, vous êtes à l'aise parce que vous savez que même si vous faites des bêtises, il n'y a personne qui est là. Mais quand vous prêchez devant les hommes de Dieu, c'est comme si un enseignant qui donne cours, mais il y a les agents de la CECOPE, ils sont là en train de suivre. Vous êtes coté, donc vous n'avez pas droit à une bêtise. Wewe isha mwe kleja webe, bena kuitabuja beba, basomba, uju isha mujilekelela, bwalu ujumanyeni, nashwa mtu hakana, kakwe na wakwenza bwalu. Kajwe uisha ba mibanza basomba, bienza bu inspector musomba, we mulongeshi ni luhemba, mwema na kumpala kwa hawa. So, msa keje tujurji meme, des fois il y a certaines attaques que nous faisons sur les médias in Chassalaba, des fois quand on prêche, on dit oh non, on s'attaque au pasteur. Non, moi je l'ai toujours dit, si vous voulez faire vos bêtises, ne mettez pas la caméra. Faites vos bêtises dans l'église locale. Mais du moment où une bêtise passe à la radio, à la télé, on attaque. Parce que la ville ne t'appartient pas. Amen. Nous avons dit que 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 nous avons dit. Merci. Nous passons à la parole de Dieu. On m'a dit que c'est une convention. Il y a une différence entre une simple croisade, une campagne d'évangélisation et une convention. Dans la convention, c'est-à-dire il y a un sujet qui est choisi. On dirait qu'il y a des points de vue discordants. Mais maintenant, l'orateur, vous êtes appelé à ramener tout le monde à croire à une seule idée. Ce n'est bien pas facile. Bien, c'est bon. Dans la convention, il y a convenir, c'est convenir. Donc, nous tous, à la fin de mon intervention, tout ce qu'on arrive à dire, ah oui, les dieux de chez nous, maintenant, on a compris pourquoi les dieux... Zambi wakwetu. On n'a pas dit Zambi mwakwetu, non. Zambi wakwetu. Il y a une différence entre Zambi mwakwetu na quand on dit Zambi wakwetu. Amen. Quand on dit Zambi mwakwetu, ce n'est pas permis. C'est comme pour dire que Dieu vient de chez nous. Amen. Comme si des autres. Mais quand on dit Zambi Wakwetu, c'est-à-dire que chez nous aussi, il y a un Dieu. Si chez vous il y a un Dieu, si vous croyez que vous avez un Dieu, je suis venu vous dire aussi que chez nous au Kasai, à Mbujimayi précisément dans la ville, il y a un Dieu. Le Dieu de chez nous. Ce soir, je ne vais pas prêcher un Dieu des étrangers. Et je ne prêche pas aussi un Dieu étranger. Mais je prêche le Dieu
de chez nous. Zambi wa kwetu. On nous lit la Bible pour qu'on gagne le temps. On est dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, à partir du premier verset. Chapitre 5. Il y a un lecteur, quelqu'un qui peut nous aider? Batombole chez Kodibala. Oui, papa pouvait nous aider. Il y a. Quand je vois la première rangée là, c'est une équipe choque. Ce sont des héros, il ne faut pas les voir comme ça. Nous lisons le livre de Deux Rois, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 8. Un homme dédié m'a dit à Kinshasa, que je peux payer pour que je sois aussi incorporé dans votre équipe là, est-ce que vous me payez quelque chose? Moi, je vous vois toujours avec tel, mais est-ce qu'il y a une condition? Est-ce qu'il faut pour que... Il faut de l'amour seulement. Mais lisez la Bible. Nous lisons 2 Rois chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 8 dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi des Syriens, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était le prix. Or, les Syriens étaient sortis par les troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir, pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sache donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » 8 et la fin. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-les venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Que Dieu bénisse sa parole. Boko kikofanda, Zamba Bambo Zambi Anobenesha Bon. Vous avez quelques minutes. Pécha et tout son satoukes. Je pense que vous allez de suite. Je crois. Amen. Dieu de chez nous. Je crois que c'est un grand thème. Oh, Zambi Wakweto. Na passage Batangi, on parle de Naaman. Et qui était Naaman? On dit que Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. Naaman wakaji kabit kamanda kamasalai abenasulia. En d'autres termes, ça veut dire Naaman était général et pas seulement général, il était chef d'état-major de l'armée de Syrie à l'époque. Naaman wakaji kamanda kamasalai abenasulia muchochi kondo achi yekuvu kumutu. Et si vous suivez bien la lecture, vous allez comprendre une chose. Parce que je ne pense pas que dans une nation ou même dans un royaume,
qu'on puisse avoir seulement un seul général. Non, il y a plusieurs généraux, mais parmi eux tous, la Bible dit Naaman, lui, jouissait de la faveur et de la considération du roi. Mujitunga kama tu kamanda no muntu mwele to batu babu ikaji munkachi mwabonso aba namana kiwa kaji ni jesa mfumu usanka ne. Je vais vous dire une chose. Nye muso kunambila bwana. Même dans notre pays ici on a un gouvernement, il y a des ministres. Nasha mujitunga jete tujini bukalenga tunyimbami nyampala. Ne pensez pas que tous les ministres ont la même considération chez le chef de l'État, non. Et surtout avec le système qu'on a maintenant, l'union sacrée pour la nation, il y a des ministres qui viennent des autres partis politiques qui n'ont même pas vraiment des rapports directs avec le chef de l'État. Ils sont là dans le gouvernement par rapport à la coalition. Mais il y a des ministres directs qui sont de la famille du chef de l'État et ils peuvent entrer chez le chef de l'État, lui parler à l'oreille. Les autres, ils ne les voient que lors du conseil des ministres, mais il est ministre, mais il ne jouit pas de la même considération. Yes. Bobo mbami nyampala kaji kujimi nyampala mikwa ujumu wakujikile ni mfumu bwalu na asha kujichi kaji mkwa abwe ujumu eneno mfumu wajito anujibe jibasomba wakujikile bwalu wajito. Il y a des ministres qui sont ministres seulement par raison géopolitique. Il faut qu'on ait aussi quelqu'un de bandundu. Ah oui, akata ngombe on a pas mis quelqu'un. Tu sors ministre, mais ne pensez pas que vous allez jouir de la même considération, non. Même chose dans l'armée. Il y a des militaires, il y a des généraux sur qui le chef peut compter. Ici on dit Naaman, qui était chef de l'armée du roi. Pas seulement il était chef, mais il jouissait de la faveur et d'une grande considération. Pourquoi? Anyamba tuambila bwalu bwa namana uvuka manda kama salai. Kyanu kamanda kama salai. Kaji uvuni mushia kumpala kwa mfumu. Bwachinyi fumu uvumu to mushi. Pourquoi? Parce que bwalu bwa. La Bible dit c'était par lui. Mukanda nzamu jomani nkwichila kuye. Que l'Éternel avait à maintes reprises délivré la Syrie à travers lui. Je suis venu dire quelque chose à l'église. Dieu existe, c'est vrai. Nous venons à l'église chercher Dieu, c'est vrai. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qu'on peut rencontrer, qu'on peut voir qu'à travers des hommes. Amen. Mbwachini namana uvuni mshia kumpala kwa mfumu. Bwalu misangu ya abonyi ya owa nzambi wakaji uichila kuyeya. Bwakusulula bena sulia kujibena lukuna babu. C'est pourquoi je suis venu te dire quelque chose. Bon, c'est un conseil, hein. Bwalu kanyimula kuambila bwalu mbelu. Vous devez arrêter avec votre orgueil là, soit l'arrogance. Ah, pasteur nani. Pasteur nani, mtu pumunji meme mto. Muntu c'est vrai parce qu'il a loué les saints. Mais qui muntu le mujuwe wa muntu parce que c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose. Tout Israël, ils avaient le sang d'Abraham. Ils étaient tous fils d'Abraham. Mais devant Dieu, Moïse pouvait monter à la montagne, écouter la voix de Dieu descendre. Mais tout le monde ne pouvait pas écouter la voix de Dieu. Aaron était souverain sacrificateur. Mais Aaron ne pouvait pas aller à la montagne et faire descendre Dieu. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, il va plus loin. Il dit à Marie et à Aaron, qui êtes-vous pour discuter avec Moïse? Lui là, lui que vous voyez là, il n'est pas comme tout le monde. Quand il faut que je parle avec lui, c'est bouche à bouche. Et il voit même une représentation de l'Éternel. On peut être tous hommes de Dieu, mais il y a des hommes de Dieu qui voient la représentation de l'Éternel. Et il y a des hommes de Dieu qui traitent avec Dieu bouche à bouche. Mais on est tous hommes de Dieu, mais il y a des dimensions. Isale la mujima, bavubana, bahabalama, kaji, mukachi mwabobo, mosa, wakaji uyikila ni nzambi, bomuntu uyikila ni mulunda wenda. Alona, mwakwiji munena,
kaji nzambu juwa mbani wewa alo na nimalia nujipa nganyi wako kana ni Mosa mema nyakuyikila ni Mosa et d'ailleurs habi vous devez comprendre la Bible nujita akumfo muka ndanzame alo e Miriam ilzo mirmire alo na ni Miriam mes kelere mirmire n'était pas fondé kaji manunga no abwa on dit ils ont parlé contre Moïse car Moïse avait pris une femme éthiopienne. D'ailleurs, on dit ils murmurèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne. Car, quand on dit car, maintenant c'est une confirmation. Car Moïse avait pris une femme éthiopienne. C'était vrai. Ce n'était pas de fausses murmures. C'était vrai. Savoni shinda menu wao mbwachi walumosa wakaka selamuka jwa kubabenda waku Ethiopia eh la kaini mirimire ils ont dit quoi est-ce seulement par Moïse ils ont cherché à faire une comparaison. Moi j'ai pensé que peut-être Moïse pouvait chercher à se justifier dire non vous ne pouvez c'est Dieu qui vient justifier Moïse. Il leur dit c'est vrai ce qu'il a fait là, ne pensez pas que moi Dieu je ne connais pas ça. Je vois ça, je connais, mais je suis venu vous dire, vous êtes saint, vous croyez saint plus que Moïse, mais lui toujours avec son péché là, je traite avec lui, bouche à bouche, vous malgré toute votre conduite là, vous n'êtes pas comme les choix et la vocation, l'élection ne vient pas des hommes. Ne croyez pas que quand Dieu a choisi une personne et que Dieu ne connaissait pas son avenir ou bien ce qu'il pouvait faire, tout ce qui arrive à son homme, Dieu connaissait cela dans son plan et il sait comment il prend la défense de ses serviteurs. Si tu es un homme de Dieu ce soir, que mon Seigneur, malgré les combats, les difficultés, tout ce que tu peux traverser, que Dieu te soutienne. Amen. Hajinzambu sumula muntu wenda mumanya matu kwenda chilo alwa Miriam hakanunga nei manunga no abwa avuni shinda men kajinzambu juba ambileni nenu nashe bikala bachijila kajimema numwena mpekatwe kiwanyi muntu onje musungul on dit Naman jouissait de la faveur du roi Naman wakaita jesa kupala kwa mfu la Bible si toi en français quand on ajoute mais les choses deviennent compliquées on dit mais cet homme de Naman cet homme fort, cet homme puissant, cet homme qui se met la terreur en Israël, cet homme qui faisait trembler le monde, on dit qu'il était lépreux. Et pourtant la lèpre à l'époque de Naman, à l'époque de la Bible, d'abord sur le plan biblique, c'était une maladie impure. Quand vous êtes atteint de la lèpre, on doit vous exclure du camp. Deux, une maladie incurable. La lèpre n'avait pas de médicaments. Trois, une maladie contagieuse. C'est-à-dire que celui qui touche aux sécrétions de vos plaies automatiquement, il s'est fait contaminer. C'est pourquoi tout le monde devait se méfier de celui qui est atteint de la lèpre. Mais voyez maintenant le cas de Naman. Naman avait la lèpre. Normalement, Bulele. Il fallait que Naman soit exclu du camp. Le roi s'est dit, si aujourd'hui on arrive à exclure Naman, d'autres nations vont se jouer de nous parce que c'est l'unique héros que nous avons. Malgré la lèpre, le roi ordonna ce qu'on cache la maladie de Naman, que personne ne sache que Naman a la lèpre. Il y a certaines personnes qu'on craint dans ce pays. Le regard grand est lancé. Il est lépreux. C'est pourquoi l'homme reste l'homme, ayez confiance en Dieu. Bikalabwani bine isalile bamanyi bwani namanu vanyi lepre bavuma umuchina kabijani
Mais bien aimé, si Israël savait que Naaman était lépreux, il pouvait encore le craindre. Même quand nous te voyons notre frère, tu viens, tu pries pour nous, mais tu as la lèpre cachée. Si nous savons vous que connaissez la lèpre, c'est quoi? On ne pouvait même pas taper les frères. Vous connaissez, c'est quoi la lèpre? Ou du moins, ton péché caché. Ici, tu viens prendre le micro, mais tu as un péché. Je peux monter à la chair prêcher, mais j'ai une lèpre. Cette maman a la lèpre. Je ne savais pas. Tu veux mon magnéto? Frère, retourne la lèpre. Frère, tu as aussi la lèpre. Est-ce que tu peux me rendre un petit service? Dis seulement à celui qui est à tes côtés. Tu as la lèpre? Mais confirme pas, c'est une question. Fait, forme interrogatoire. Tu as la lèpre? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu peux dire non, mais la lèpre, on la cache. Vous allez vous rendre compte, la jeune fille qui était au service de la femme de Naaman. Elle a vécu dans cette maison pendant plusieurs jours. Mais elle ne savait pas que le maître avait la lèpre. Continuer. Comment la jeune fille est arrivée comme ça, comment elle s'est retrouvée dans la maison de Naaman? Je vais vous dire des choses qui vont vous aider et vous allez aimer la parole de Dieu. La Bible dit au verset de, or le Syrien était sorti par troupes et ils avaient mené captive une petite fille du pays d'Israël. Quand on dit était sorti par troupes, c'est-à-dire l'armée de la Syrie allait faire des excursions à la frontière. C'était dans le cadre de la sécurité de leur pays. Ça, c'est un. Et pour dire que cette armée pouvait traverser la frontière, entrer en Israël et ressortir sans être inquiet. Pour dire que Israël, lui, était faible par rapport à la Syrie. Comme nous sommes aujourd'hui avec le Rwanda. Dieu fera grâce à lui. Mais il y a des généraux rwandais dans l'armée au Congo, mais il n'y a pas de généraux congolais dans l'armée du Rwanda. Pourquoi? C'est une faiblesse. Que Dieu bénisse quelqu'un. J'évolue avant que je puisse rentrer dans le vif du message. Pour que vous arriviez à découvrir la faiblesse d'Israël par rapport à la Syrie, lorsque la jeune fille a découvert l'état de Naaman, elle a fait rapport à sa maîtresse. Et la maîtresse a parlé à son mari, le mari en a fait rapport au roi. Mais écoutez, quand le roi a écrit la lettre, il n'a pas sollicité un service. Non, il a ordonné au roi d'Israël, maintenant, lorsque tu liras cette lettre, lorsque tu en prendras conscience, sache que je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu les guérisses. Donc, un roi qui s'adresse à un autre roi souverain, mais il commande. C'est qu'il n'y avait pas égalité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et lorsque le roi d'Israël a reçu la lettre, en lisant la lettre, il a déchiré ses vêtements pour dire qu'il craignait la Syrie. Et qui leur faisait peur?
c'était Naaman. Naaman en question, lépreux. Bantu bakwabo bina muhongo bakwabo batututu chini. Tuba china ni bwa kubula chana. Il y a certains sorciers, nous les craignons de loin pour rien. À partir d'aujourd'hui, kuchinyimuntuto. Ne crains personne. Ujumwa kala na mana umumona chilobo. Mehina mun hina munda monsem. Bishi bimana kuji. Tu peux regarder Naaman, tu as peur de lui, cependant à l'intérieur, on l'a déjà bougé. Ne crains plus personne. Amen. 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 On dit, bon, wa ya Syrie a commis lettre à Pessinaman. Ufumwa bena suli ya ujo funda mukando isha Naaman. Kende epa ya roi ya Israel. Nda kuji ufumwa Israel. Mais comment d'abord? Kaji bishi. Nini ya motive roi ya Syrie a koma? Chaka sonso na ufumwa bena suli ya boye kufunda mukando. Biblia zolo baki informasyo ya utaki na jeune fille. Mwalu jimanyishe. Jaka fumina kuji nsonga kaji. Jeune fille ya peyi ya Israel. Songa kaji mwine mwa bena Israel. Jeune fille ya Israel la komi na Siri koma. Songa kaji mwa bena Israel. Wafiki musuli ya bishi. Bible doba ke elavede emene captive. C'est-à-dire la jeune fille était une prisonnière. Muka na za mwujo wa mani. Mwana baka ja bakala nenda bumpika. C'est que une personne qu'on avait kidnappé, qu'on avait enlevé. Muntu akakwata bukulo nenda kumakana. Famille na ye batikali dans la désolation. Et la jeune fille se retrouve de l'autre côté. Dans la souffrance, elle était devenue esclave dans la maison de Naaman. Mais dis-moi, cette jeune fille, malgré son état là, elle avait une confiance et une connaissance que chez nous, nous avons un Dieu capable de guérir même ce que la médecine ne peut pas guérir. Je suis venu dire quelque chose. Ce n'est pas le fait que la jeune fille soit enlevée. Ce n'est pas le fait qu'Israël soit faible devant Syrie qui va annuler la présence de Dieu en Israël. L'état faible de ton ministère ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi et que Dieu ne t'a pas appelé. Amen. Kimbutegeta bo Israel abujimu akuvu ijan Zambi ni Zambi kachena nabo. Kimbutegeta bo mujimu webo Zambi. Kibujimu akuleje ni. Mon frère. To. Kimkula alakweba kwa ninzala to kujukuleje kwa nikwina ninzambi to. Ce n'est pas parce que tu dors affamé. Israël avait Dieu. Un Dieu puissant. Capable de guérir la lèpre. Mais le même peuple qui avait un Dieu puissant, on pouvait kosa la bangu ba esclave. Kimbulande bweba, bujubuleje bwanyikwina ninzambi. Ce n'est pas ta pauvreté qui montre que tu n'as plus Dieu. Krize ujumukasai. Ce n'est pas ce qui veut dire que Mbujimai kokwina nzambi to. Ce n'est pas la crise qui est au Kasai. On peut être dans la crise. Mais nous avons un Dieu dans cette ville. Et d'ailleurs, pour votre enseigne, pour votre connaissance, persécution, lutato, mboko ye subir, na période ya régime mu ubwe nazobosa na kombo. Sokeza la kipona nzambe te Kasai pouvait disparaître. Amen. Et personne ne pouvait imaginer qu'on peut aujourd'hui venir au Kasai prêcher et trouver même un hôtel de luxe là où on pouvait dormir à cause de tout ce qu'on a subi, la persécution. Mon makalenga di maita bulele la kabu ibo nzambe mu Kasai. Je m'envoyais te dire que ça y est, ne perdez pas confiance. En Mbujimayi, il y a un Dieu. Et je suis venu vous dire, je suis prophète, que le monde des ténèbres le veille ou pas, un jour, Mbujimayi sera restauré. Amen. Un jour, ceux qui ont fui cette ville, ils vont commencer à revenir comme Naomi qui quitte Moab pour rentrer à Bethléem.
Quand on l'appelle Naomi, il dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, parce que Dieu m'a mis dans la désolation. Pourquoi Dieu t'a mis dans la désolation? Naomi, c'est parce que tu n'avais pas la foi. Bethléem, on peut manquer du pain, mais on n'a pas manqué Dieu. Bethléem, tu dis moi quoi, il a jamba, quand il a tourné par un il a zambito. Jipa jamba, tu dis moi quoi, j'ai mis dans mon Bethléem. Mais Zambi a mou Bethléem qui mou photo. Le pain peut manquer à Bethléem. Et d'ailleurs, ne parle signification quand on dit Bethléem, ça veut dire maison de pain. Dans la maison de pain, on peut manquer le pain. Mais la maison reste maison. Et je suis venu vous dire, malgré tout ce qu'on peut subir, si vous allez dans tous les pays, si on peut parler des grands médecins, des grands pasteurs, des grands juristes, des grands. Oh. Je ne suis pas venu faire des polémiques. Oh. Je m'arrête comme ça, mais vous connaissez ce qui se passe. Amen. Ils sortent tout. Amen. C'est ce qui montre que nous venons de la maison du pain. Tôt ou tard, Bujima deviendra une ville à visiter. Mindele bakobande kulungwa pote. Basoluka bariye bambujimai. Ça c'est la prophétie que je suis venu vous dire. Je ne le dis pas parce qu'on m'a donné le sujet pour prêcher. Je le dis parce que je sais ce que j'ai dit. Ne fuyez pas la ville parce que tu as vu l'autre personne fuir la ville. Dis-moi où est la Kalukunga Isaïe. Que je te dise un peu. Elimelech. Elimelech. Naomi. Naomi. Machlon. Kinjlon. Kinjlon. Bakangi Bisakabalobi. On ne peut pas rester ici à cause de la crise. Ils sont partis. Ils ont fui quoi? Ils sont partis. Lisez la Bible. Après eux, à Bethléem, il n'y avait plus de gens. Et ceux qui sont restés derrière, ceux qui ont supporté la crise, tout le monde était mort. Mais lui qui avait fui la crise, qui croyait avoir beaucoup ailleurs, Elimelech est mort. Naomi a perdu ses deux fils. Allez voir comment on maltraite, on tue nos frères. Même au Katanga ici. Ndai numana mujiba shebebana betu na shoka tanyeko. C'est comme si kwetu ko kukutuku bantu ba vivre to. C'est comme si chez nous il n'y a plus personne qui peut. C'est comme si vous qui êtes resté ici vous ne respirez pas. C'est comme si tatu baba shalo kune ko kwena muhuya wakuhuye keno to. Tu peux risquer d'aller mourir chez vous pour rien. Chez nous, c'est chez nous. Chez nous, même s'il y a la vie. Chez nous aussi, c'est un arbre. Chez nous aussi, c'est un arbre. Mwendele rere uchibuka mungu uchibuka mpanshi uchibuka mungu mekwetu kinkulu kwa muchi tumpanshi. Chez nous ce n'est pas au-dessus d'un arbre. Apprenez à investir au Kasai. Apprenez à aimer votre ville. C'est nous qui pouvons faire que ville est remontée. Arrêtez avec ce langage là. Ici là-bas je vais partir. Ici là-bas, je vais partir. D'ailleurs, le grand frère m'avait dit que dès que tu as le diplôme, tu nous rejoins à Kinshasa. On vous a dit que ceux qui sont à Kinshasa, ils ramassent les diamants. Ou bien l'or. Ou bien tous ceux qui ont quitté le Kasai, qui sont allés à Kinshasa, ils ont acheté des parcelles. Et vous allez trouver quelqu'un qui a même son petit commerce où il pouvait demander la grâce de Dieu, travailler, aller de l'avant. Il prend tout, il vend même sa petite parcelle, Naïku Katang. Puisqu'à Lubumbashi ou bien au Katanga, il n'y a pas de gens qui souffrent.
qu'on peut acclamer pour le Dieu de chez nous? Je prends un deuxième verset, j'introduis, j'arrête, on va continuer demain. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Des rois 5, Jean, évangile de Jean, chapitre 5. Vous commencez encore par le premier verset. Papa, vous lisez même quatre versets. On va continuer demain. On va continuer demain. Je suis là, demain on est encore là. Rapidement, rapidement. Lucas. Au chapitre 5, mm-hmm. le verset 1er jusqu'au verset 5. Mm-hmm. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Stop. Le verset commence comment? Après cela, il y eut une fête des Juifs. Amen. Amen. En français, quand on dit après cela, mon falansa dit bamani, anima boalo. Je donne raison à la Bible. La Bible dit ceci. Toute écriture est inspirée. Utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Quand on dit toute écriture, papa, ne pensez pas que l'écriture qui convainc, qui enseigne, c'est seulement tout un contexte. Non. Même un seul mot de la Bible, il y a un enseignement. Le fait seulement de dire après cela, c'est déjà un enseignement. Après cela, ça veut dire quoi? C'est une succession des événements. C'est qu'il y a eu un événement, et cet événement-là, quand ça a pris fin, et un autre événement pouvait commencer. Je veux dire quoi? Quand on dit après cela, ça veut dire que la vie continue. Si il y a un jour, on arrivera à parler ce langage en Bushimai. C'est comme aujourd'hui on dit après le régime de Ngoï Kassange. C'était Ngoï Kassange. Maintenant on n'est plus avec le régime de Kabila. Un jour aussi on parlera après la crise qui était au Kassai. Après cela. Pour dire qu'un jour on dira après. C'est-à-dire cette crise appartiendra au passé. Zale naishala hanima. Miba et Kolamouk. Miba ni ajouk. Et d'ailleurs, vous comptez que sur Miba, on a encore découvert beaucoup de choses dans cette ville. Il y a beaucoup de sociétés minières qui viendront dans cette ville. Pendant que vous ne voyez que Miba, et on parlera d'après cela, après la crise, après ce qui s'est passé, après la souffrance, même dans ta vie aussi, si tu es malade, Dieu te guérit ce soir et tu parleras d'après ma maladie. Toi qui es célibataire, sache qu'un jour tu diras après, pendant que j'étais célibataire, après mon état de célibataire, après mon état de chômage, après. Est-ce que tu peux dire, tu peux faire ça après? Pour dire que eloko kokote na vie ya mutu et kotikalaka éternel à part Nzambe, il n'y a que Dieu qui est éternel. Tout ce qui peut arriver à l'homme, ça passera. Ça passera. Amen. La crise qu'il y a dans ta maison passera. Amen. Ton chômage là passera. Amen. Ta pauvreté passera. Amen. La Bible dit, il n'y a que la parole de Dieu qui ne passera jamais. Les hommes passent, les époques changent. Bien que personne ne vous trompe, ça passera. Nabihita. La souffrance de Mbujimai, ça va passer. Ni tujufo moi. On va oublier ça. On dit ceci. Naomi avait fui la souffrance. Mais là où elle était, elle a appris que Dieu avait visité Bethléem et que le pain était revenu à Bethléem. Laisse ceux qui te fuirent te fuir. Mais qu'ils sachent qu'un jour, ils vont encore chercher l'adresse de ta maison. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'après. Après cela,
Après cela, bien aimé, par rapport à ta situation actuelle, par rapport à ce que tu traverses, est-ce que tu peux dire après ceci? Ujumwa kwamba kuni hanyima bwalu ebu. Hanyima hachikondu echi. Kansu chamba tasi. Enju ni tufika kwamba kuni hanyima hachikondu echi. Enju ronira nichipita. Apre se tan la. Jige nga jeba. Ma souffrance. Bungumba kweba. Ta serelite. Kupangika kusejibo kweba. Ni kupita. Ton selita sa va passe. Chômage weba. Ton chômage. Ni apita. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, ni pipita mon frère, ni pipita, ni pipita pasteur, ni pipita, ni pipita, foutu-le quoi église, ni coupita, ça va passer. Hangina banji mimo église, ni coupita. Manquez les gens à l'église, ça va passer. Après cela, l'écrivez la Bible. Il y est. D'une fête des juifs. Une fête des juifs. Est-ce que vous pouvez dire fête des juifs? Ça veut dire quoi? On dit il y a une fête des juifs. Quoi? Une fête des Syriens. Qui dit fête au diabène sous l'yeto? Pas une fête des Philistins. Qui dit fête au diabène en Pélé? On dit il y a une fête des juifs. Nous rentrons dans la Bible. Vous connaissez les calendriers juifs. Il y avait instauré les calendriers juifs. Le calendrier juif vient de Dieu lui-même. Et quand on dit l'une fête des juifs, chez les juifs, il y a plusieurs fêtes. Ici, là, on n'a pas précisé de quelle fête il s'agissait. Mais tu vois, il dit, il y a fête des tabernacles, il y a fête de la Pâque, il y a fête de ceci, cela. Mais ici, on a seulement dit, il y a une fête. Mais on n'a pas donné le nom de la fête. Mais du moins, c'était une fête parmi les fêtes des Juifs. Et la Bible dit, lorsqu'il y a eu fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Et Jésus monta à Jérusalem. Je peux vous poser une question. Vous savez, des fois nous disons seulement juif, nous appelons tout Israël juif. Non. Quand on veut vraiment parler du juif, ça veut dire ceux qui viennent de la tribu des Judas. Quand il y a eu séparation entre le royaume d'Israël et le royaume des Judas, le royaume de Juda était composé des tribus de Juda et tribus de Benjamin. Ils avaient leur capitale Jérusalem. Et les autres 10 tribus, ils avaient pour capitale Samarie. Jésus est de la tribu de Juda. C'est-à-dire qu'il faut parler des Juifs. Jésus, c'est un véritable Juif. Il y a eu maintenant une fête des Juifs. C'est-à-dire que cette fête, parce qu'elle était la fête des Juifs, ça devait se célébrer où? À Jérusalem. Jésus qui étant aussi juif dans la chambre, je ne suis pas venu t'honorer. Je suis venu remplir un devoir sacré. Lui pensait que le devoir sacré, c'est par rapport à nos relations. Non, tu as dit, oh Dieu de chez nous. Je me suis dit, toi, Yishukuba Bende Bikola, et tu, Njibilu, Tchabena Yuda, même Hanibumuina Yuda. J'abandonne les voyages de l'Europe, de l'Amérique, d'aller n'importe où, d'aller prêcher chez les Blancs. Je vais maintenant prêcher les dieux de... Alléluia! Les dieux de chez nous! Est-ce que tu peux dire les dieux de chez nous? Les dieux de chez nous! C'est toi, apôtre Sylvain, tu ne sais pas respecter chez vous. Jésus respectait chez eux. Lui qui est Dieu, on dit après cela, il y a une fête des Juifs. Et Jésus monta. C'est-à-dire que là où il était, même s'il avait quel programme, il a dit non, on stoppe. Parce que demain, c'est la fête de chez nous. Je dois marquer de ma présence parce qu'il s'agit de chez... Papa, est-ce que c'est un chibi le chabine youd?
Amen. Ok. On va commencer par là demain. J'arrête. Lève-toi, on va prier. Demain, on commence par là. Demain, que Dieu vous bénisse, papa. Demain, on va commencer par ça. Par ici. On va commencer avec ce passage. Est-ce que on peut nous entonner un cantique? Nous voulons prier. Nous voulons prier pour Mbujimayi. Nous voulons prier pour le Kasai. Nous voulons prier pour le Kasai. Peuple Kasaïen, Dieu m'a envoyé vous dire. Zami monte ma boakunoambi. Des fois on se disait. Tu dis tout que nous souffrons. Parce que tu n'as pas encore eu le pouvoir. Puisqu'on n'a pas encore eu le pouvoir. Toi, ça fait 5 ans maintenant. On a pris le pouvoir il y a maintenant 5 ans. Si le plan wa mal d'une manière générale. C'est pour vous dire que ne comptez pas sur l'homme. La délivrance de Mbujimayi ne viendra pas d'un homme. Ça viendra du Dieu de chez nous. C'est Dieu que je prêche. Cantique. Yes. Udi Zambi, Deu Sala Zambi. Udi Zambi, Deu Sala Zambi, moi bewe. Udi Zambi, Deu Sala Zambi. Yé kele kele. Udi Zambi, Deu Sala Zambi. Udi Zambi, Deu Sala Zambi. Udi Zambi, Deu Sala Zambi, moi bewe. Udi Zambi, Deu Sala Zambi. Vous allez prier pour votre vie. Prie Dieu pour ta vie. Tiens, Dieu, je crois que ça passera. Tout ce que je traverse, un jour, ça va appartenir au passé. Je crois. C'est pourquoi je viens te dire merci. Je crois. C'est pourquoi je bénis ton nom. Parce que je sais que ça va changer. Amen. Et le monde changera de langage. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Prions au nom de Jésus. Prie. Parle au Seigneur. Dis merci à Dieu. Nous croyons, ça passera. Ça passera. Yo,
misubaya bantu e. Seju amalu simwe wa mukalema misubaya bantu e. Vous savez, en 2021, j'avais connu une attaque. J'étais malade, et quand on dit malade, c'est-à-dire à mort. Peut-être que vous avez appris de loin, mais il fallait vivre. Parce que d'abord, des fois je dépose le passeport le matin à la maison Schengen, à 18h, on me dit, viens récupérer ton visa. Mais ils m'ont refusé le visa pendant 3 mois, peut-être parce qu'ils voyaient mon état. Même au Yakulomba, j'arrive à changer des hôpitaux, on ne m'a pas reçu. On dit, tu vas gaspiller ton argent pour rien. Jusqu'à ce que je suis allé en France, ils m'ont accepté, mais avec difficulté. Même au Yakufrance, tout le monde disait. C'est fini. Mais qu'est-ce qui soutenait ma foi? Quand je prends la Bible, je trouve un passage qui dit, après cela, un jour, cette maladie passera et je dirai, après mon étape, après l'époque où j'étais malade. Il faut que toute parole de l'écriture s'accomplisse dans ta vie. Aujourd'hui, je peux prêcher, dire, après 2021, quand j'étais malade. Et c'est fini, ça appartient au passé. Il faut que la parole de l'écriture s'accomplisse dans ta vie. Dieu existe. Ne doutez pas de la puissance de Dieu. On n'est pas chrétien par hasard. On n'est pas chrétien parce qu'on l'a voulu. Tu n'es pas ici parce que tu l'as voulu. Tu es ici parce que Dieu te connaît. Tu es ici parce que Dieu t'a appelé. Tu es ici parce que Jésus t'a sauvé. Pourquoi tu commences à perdre la foi? Pourquoi tu es découragé? On prie. On fait tout ce qu'on exige. On demande. Mais je ne vois pas le changement. Et tu crois que ça va demeurer comme ça? Si ta situation devient éternelle, c'est que ta situation devient semblable à Dieu. Mais moi, je sais qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est éternel. Le reste des problèmes des personnes, les gens vont passer, les époques vont changer, le climat change, la vie aussi change, papa. Croyez-moi, le climat change et la vie change. L'année prochaine, tu n'auras pas cette vie. Amen. Demande-moi pourquoi. Parce que Dieu existe. Et toi, tu as connu ce Dieu-là. Jean écrit quelque part, il dit, nous sommes dans les véritables, à savoir son fils Jésus-Christ, car c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu vois dans cette ville ici, il y a des gens qui ont cru dans des prophètes. Nous avons cru le Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui est mort à la croix. Jésus qui est mort, on l'a enterré. Et le troisième jour, sans l'intervention d'une personne, la pierre s'est roulée. Sans l'intervention, sans l'assistance d'une personne, les chaînes se sont brisées. Et le tombeau est resté vide. C'est Dieu-là. Zambiao. Que toi tu es en train d'invoquer. Comment tu ne crois pas au miracle? Comment tu ne crois pas au changement? Parce que le médecin m'avait dit le trompe gauche, on a vu que la trompe est bouchée, c'est pourquoi je ne conçois pas. Le médecin peut voir ce qu'il voit là.
C'est la science qu'il a fait. Les 7 années qu'il a fait à l'université, là, ça c'est son problème. C'est la connaissance de l'homme. Mais il y a quelqu'un qui a une intelligence qui est supérieure à celle de l'homme. Quand lui dit un mot, la trompe qui était bouchée, maintenant même là, ça peut se déboucher. Terrain là qui était abîmé, maintenant même compris là, terrain là, je peux faire quelque chose dans ton corps. La jeune fille a dit à sa maîtresse, si mon maître était auprès du prophète, le prophète qui est chez nous, dis-moi, elle était dans un état de souffrance, mais elle reconnaissait la puissance du Dieu de chez elle. Nous souffrons, mais nous avons un Dieu puissant. Ah, deuxième requête et la dernière, on va continuer demain. Je veux comprendre pour cette ville de Mbujimayi. Ah! Bandeko, je suis natif de cette ville. Je me souviens. Nous, quand on étudiait à Kinshasa, dans nos auditoires, les collègues avaient peur de nous. Bino Baluba, vous avez un bon goût, Bino Jama Isalaka. À l'époque, toutes les familles qui étaient à Kinshasa, le soutien venait de Mbujimayi. Ça va changer. Nous prions pour Mbujimayi. Mbujimayi doit reprendre sa robe de la ville diamantaire. Une ville diamantifère. Il faut que maintenant l'argent commence à quitter Mbujimayi pour aller en Occident, pour aller à Kinshasa. Il faut que l'argent commence à quitter ici. Il faut que l'argent commence à quitter Mbujimayi. Bien aimé, je vous assure, ça va arriver. Tu vas commencer à envoyer l'argent à la famille qui a tu vas commencer à envoyer l'argent à Kinshasa. Est-ce qu'on peut prier pour cette ville? Prions au nom de Jésus. Nous courons vers le temps. Donnez-moi 15 minutes. Je vous libère. Asseyez-vous. Reprenez vos places. Donnez-moi 15 minutes. Je ne vais pas vraiment abuser de votre temps. J'ai pris pour ces enveloppes. J'ai besoin de la personne qui a cru, parce qu'il est écrit quelque part, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. S'il y a quelqu'un, si vous croyez à ce message, je voudrais que tu puisses poser un acte. Parce qu'il est aussi écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai agi. J'ai besoin de quelqu'un qui peut agir parce qu'il a cru. Que dans ma vie, ça va changer. Ce que je suis aujourd'hui, c'est passager. Vous avez $200. Vous avez ça sur place, vous allez donner. Tu n'as pas ça sur place, vous allez
prendre l'enveloppe. Demain ou après-demain, vous allez honorer. Tu peux déjà t'approcher, tendre Père Céleste, nous bénissons ces enveloppes. Nous prions pour que ta grâce accompagne ce peuple. Quiconque posera un acte ce soir de foi, qu'il puisse expérimenter le miracle. Parce que tu es le Dieu qui est derrière les paroles de tes serviteurs. Tu honores les prédictions de tes envoyés. Au nom de Jésus, amen. Descendons là, la première personne. Vous savez, on ne peut pas se lasser de demander l'argent dans cette église. Posez-moi la question pourquoi. Il y a un chantier derrière là. Il y a le chantier derrière là. Ça demande des millions. $200. $200. La première personne. Venez aussi expérimenter la grâce de voici l'homme. $200. Je vais prier pour toi. Hier tu avais donné, mais hier c'était hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. $200. La première personne. Qui paie? La première enveloppe entre mes mains, qui peut prendre cette enveloppe? Soit vous avez $100, vous avez 50, vous allez avancer, vous prenez l'enveloppe et le reste vous amènerez après. $200. La première personne. Cette enveloppe peut changer. Ça peut changer quelque chose dans ta vie. Que Dieu vous bénisse, maman pasteur. Vous savez, quand ça commence de ce côté, c'est dangereux. Je sais qu'il y a des Joseph d'Arimate. $200. Pendant qu'ils sont en train de réfléchir, $100. Ça, c'est $100. Soit la première personne, $100. $100. Vous pouvez donner sur place, soit c'est un engagement. $100, venez prendre $100. Et je ne vous ai pas connu comme ça. Hein? $100. Dans toute cette salle, il n'y a personne qui peut donner à Dieu $100. $100. Vous êtes derrière. Partout, vous êtes dehors, que Dieu vous bénisse, papa, merci. $100. Vous êtes dehors, venez aussi prendre l'enveloppe. $100. $50, venez aussi rapidement. $50. Que Dieu te bénisse, papa. $50. En tout cas, $50, j'ai besoin de 10 personnes, s'il vous plaît. $50. Je dois prier pour vous, papa. Soyez béni, Jésus-Christ. Vous devez comprendre une chose. Des moments comme ça, ce n'est pas des périodes ordinaires. Parce qu'il y a des dépenses sur dépenses. Le pasteur là, il a des visiteurs qu'il doit loger. Il y a d'autres délégations qui continuent à s'ajouter. D'ailleurs, moi, j'ai même pitié de lui. Hein. Vous devez avoir pitié de lui. $50. C'est pendant des moments comme ça qu'on peut reconnaître des véritables fils et filles. Ils soutiennent leur papa. Ils soutiennent leur papa.
ils disent cette affaire nous concerne tous. C'est notre papa. Ensemble avec lui, nous allons porter le fardeau. Vous savez qu'il y a bien aimé. Joseph a aidé même Jésus-Christ à porter la croix. Joseph a accompli ce toni Jésus pour accompli la moitié de sa macan. Tu ne peux pas aider ton pasteur. Quand on m'a accompli, je m'en vais ébahi. $50, $30, $20, parce que nous voulons vous libérer. $30, $20. Rendez-moi un petit service. Donne le message à celui qui est à tes côtés. Ambilo musomba kuluseka lweba mwambilo ko unungweka mwanetu toni makumi abiji kuno juka kwani meme 20 dollars tipe lijir sa toni makumi abiji kuno juka kwani meme 20 dollars dilui que Dieu vous bénisse. Je dois prier pour vous, papa, attendez. Tout le monde, c'est toujours des engagements. Il n'y a personne qui peut donner cash. Ah papa, vous êtes la prémisse, que Dieu vous bénisse. Mettez-la. $20, $20, $20. Maman, c'est papa, $20. Serviteur de Dieu, $20. La mère qui donne, c'est celle qui reçoit. Celui qui sait ma bondama moissonnera, bondama. $10, $15, rapidement. $10, $15. Les dollars ici, ça s'échange à combien? Les taux, 25. De l'autre côté là-bas, on est même à 26 déjà. $10, $10, 25 000 francs. 25 000 francs. Peut-être quand on parle de dollars, ça vous fait peur. 25 000 francs. 20 000 francs aussi. 20 000, tu peux venir. 20 000. Maman, vous, c'est pour 25 000 francs. Ah, quand j'ai dit 20 000, toi, tu étais déjà debout. Venez aussi. Prendre l'enveloppe de 20 000. Maman, que Dieu vous bénisse. 20 000. $5. Là, c'est tout le monde. $5, là, en tout cas, c'est tout le monde. $5. On est maintenant à $5. On est descendu jusqu'à $5. $5, j'ai dit bien 5. Vérifiez bien, s'il arrivait que à la place d'une enveloppe, je vous ai donné deux, là c'est prophétique. Si vous allez donner doublement, il faut bien vérifier. Que ça ne puisse pas se coller. Soyez béni, maman. $5, $10 000 francs. $10 000 francs. $10 000 francs. $10 000 francs. Que Dieu te bénisse. $10 000 francs. Soyez bénis, maman. $10 000 francs. Que Dieu vous bénisse, maman. Soyez bénis, frère. Soyez bénis. Soyez bénis. 10 000 francs.
5000 francs, 6000, 7000, 8000, 5000 francs. Que Dieu vous bénisse, maman. 5000 francs. Serviteur, venez m'aider un peu à remettre les enveloppes. J'ai pris pour les gens, on gagne du temps. Protocole ou serviteur, quelqu'un peut m'aider. Aidez-nous rapidement à distribuer les enveloppes. Ne fait prendre l'enveloppe que celui qui n'a pas donné sur place. Si vous avez donné sur place, inutile de récupérer l'enveloppe. Inutile de récupérer l'enveloppe si vous avez donné sur place. Trois mille francs, quatre mille francs. Jusqu'à 2000 francs. 2000 francs. Ça avait tout fait nombre. 2000 francs, là, c'est quelque chose. 2000, 5 personnes, on a 10 000. Imaginez. 2000 fois 5, on a 10 000. Frère, on n'a pas prié pour toi. On n'a pas prié pour toi. Il faut être ici. Ne sois pas distrait. On doit prier parce que tu as donné ton argent. Tu mérites une bénédiction. Il faut que tu vois aussi les changements. Après l'acte que vous avez posé, la bénédiction de Dieu doit rentrer dans votre vie. 2000 francs. Là, c'est tout le monde. Les enveloppes que vous retirez là, c'est à remettre demain avant la prédication. Faites tout pour ramener ça demain avant même la prédication. 2000. Là, c'est tout le monde. 2000 francs. Mille francs, mille cinq cents. Venez avec 1000 francs. Jésus,
1000 francs jusqu'à 500, je crois à 500 on ne donne pas les enveloppes. À 500 on ne donne pas les enveloppes. 500, vous devez donner cash. Vous avez 500 francs, venez. 500 francs. Donnez-lui l'enveloppe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambi anubenesha. Est-ce qu'on peut acclamer bien Jésus? Est-ce qu'on peut dire merci au révérend pasteur pour cette grande révélation en acclamant très fort? Voilà, tenez-vous debout s'il vous plaît. Je voudrais d'abord, vous donnez les communiqués avant que nous puissions faire la prière finale. Demain, à partir de 9h, il y a conférence et atelier des serviteurs de Dieu en ces lieux. Nous avons commencé aujourd'hui, le matin, avec les hommes de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu as un appel, tu as une vocation. Dans n'importe quel domaine, soit présent à partir de 9h, nous irons jusqu'à 11h juste. Et nous allons partager demain à 9h ensemble avec l'homme de Dieu, voici l'homme. Il va nous entretenir sur comment faire développer ton ministère dans ton église. Et aussi, il parlera sur la place de l'argent dans ton ministère. Alors, c'est un instrument que Dieu va utiliser puissamment. Tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu, s'il vous plaît, soyez être là demain à partir de 9h. Et dans les après-midi, nous continuons avec l'homme de Dieu, voici l'homme. Et je crois que vous sentez déjà que la grâce de Dieu est là. Et le Seigneur va accomplir de grandes choses. Alors je veux que tu élèves ta main droite. Lève ta main droite, même toi qui es au fond. Il y a eu des grandes déclarations qui sont sorties de ces lieux.
par rapport à ta vie, par rapport à la ville de Mbujimayi. Lève ta main pendant ce temps. J'attends cette main qui doit être levée. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Et tu peux le confesser très fort. Je crois ce soir que ma souffrance actuelle, mes manquements actuels, appartiendront au passé. Je crois que ce moment difficile finira par passer. Je connaîtrai la visitation de Dieu. Et ma vie changera. Oh Dieu de Mbujimayi, je t'en supplie ce soir. Je crois dans ta visitation. Je crois dans ta restauration. Place mon nom sur la liste des témoignages. Que cette convention ne se termine pas sans que ta main ne me touche. Dans le nom de Jésus-Christ. Je crois dans le fin fond de mon cœur. Je serai touché par Dieu dans cette convention. Et je témoignerai la grandeur de Dieu. Maintenant, écoute mon frère et ma soeur. Si tu crois que Dieu va te toucher. Si tu crois que toi, tu feras partie des hommes et des femmes qui témoigneront avant la fin de cette convention. Hier, on nous a dit qu'il y avait beaucoup de lépreux à Samarie. Mais l'onction n'a localisé que Naaman seul. Si tu crois dans cette convention, tu ne viens pas pour observer, mais tu viens parce que tu crois que le Dieu de chez nous fera quelque chose. J'aimerais que tu pousses le cri de joie. Voilà. Et toi qui crois, tu prends n'importe quelle offrande. Que ce soit 500 francs, que ce soit 1000 francs, que ce soit 2000 francs, que ce soit, je ne sais pas, n'importe quelle offrande, je veux que nous puissions sceller avant que nous puissions partir. Scelle en disant, même si les autres ne seront pas touchés, mais dans cette convention, le Dieu de chez nous me touchera moi. Je voudrais que tu puisses te distinguer par ta foi. Pendant que Billy est en train de chanter, tu peux venir, tu peux me jeter sur l'autel ton offrande. N'importe quel billet, viens t'approprier de ton miracle. Dis, je crois. Je vais témoigner dans cette convention. Et tu peux jeter n'importe quelle offrande que tu as là. Billy, pendant que nous chantons. Jésus. Tu peux passer pour sceller ton témoignage. Avec n'importe quel montant. Ça dépend de ta foi. Jésus.